Salut à tous, on se retrouve en vidéo pour vous montrer toutes les figurines Metroid, tous les amiibo et leur utilité dans le jeu Metroid Samus Return. Donc les anciennes, Samus sans armure, Samus avec armure, et maintenant les nouvelles bien plus jolies. Bien plus jolies, bien plus lourdes et bien mieux faites, je trouve. Elles sont vraiment très très jolies. On voit le petit S. Et là, le Metroid. Plus grosse que les autres d'ailleurs, comparé. C'est plus gros. Donc là, la texture, c'est dur. Par contre, le Metroid, il est tout mou. C'est marrant. Donc, on va voir leur utilité dans le jeu. Donc, dès qu'on utilise Samus, obtenez réserve de missiles de secours et débloquez des esquisses préparatoires de ce jeu. Samus sans armure, obtenez une réserve d'énergie de secours et débloquez les musiques de ce jeu. Samus Aran, donc avec armure, obtenez une réserve d'agent de secours et débloquez les illustrations du jeu. Et le Metroid affiche la position du Metroid le plus proche. Donc ça, on va le voir directement dans le jeu. Ça, c'est le début, c'est très joli. Quand on active la 3D, c'est vraiment beau. Bon. Hop. On commence. On va éviter la lumière. Donc à chaque partie, on peut activer les amiibo. Donc on voit ici juste mon énergie et les missiles. Donc je vais faire start, amiibo. Maintenant, il suffit de le poser dessus. Je vais rapprocher, ça évitera d'avoir des reflets. Pas mal de reflets, pas terrible. Alors Samus, tac. Une réserve de secours débloquée ne se désactive qu'en commençant une nouvelle partie. La débloquer, oui. Pour débloquer dans la galerie le contenu accessible. Ouais, bon, ça c'est le reste. Enfin, le reste des objets qu'on va obtenir, ce sont des images, mais il faut finir le jeu. C'est pas encore mon cas, donc on continue. Réserve de secours de missiles. Je sais, il faut finir le jeu. Donc là, toujours pareil. Une réserve d'ion. Les galeries. Et là, le Metroid. Aucun Metroid n'a été détecté dans cette zone. Donc voilà, maintenant, lorsque l'on quitte, je vais remonter la vue, voilà. On voit une réserve d'énergie, d'ion et l'autre, c'est deux missiles. Remonter un petit peu la vue encore. L'ion, c'est la barre jaune en fait. Vous voyez votre map. Quand vous l'activez, en fait, ça dévoile tout ce qui est secret. Voilà l'utilité de la chose. Et donc ça, on va le faire en direct. On va tout gaspiller et on va voir la réserve qu'on a ajoutée avec l'amiibo qui va prendre le relais.
Ou alors on va le faire avec l'énergie, comme ça vous allez voir directement. Je filme et je vois la vache. Allez, tue-moi, toi. Bon. On va le refaire encore une ou deux fois. Et là, on va voir la petite recharge qui va passer. Hop. Ouais, j'en ai plus, mais normalement ça doit se recharger. Bon, on va le faire avec la vis, ça sera plus simple. Allez, tue-moi. Voilà, hop. Voilà l'utilité de l'Amiibo. Donc on va se laisser sur cette petite image de fin. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire et je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer le contenu en fin de jeu. Voilà, allez, bye bye.